saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Tu es le Dieu des miracles. Invincible Dieu, invincible Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es digne Seigneur. Invincible Dieu, invincible Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es digne Seigneur. Tu es digne Seigneur. Jésus, tu es digne Seigneur, tu es digne Papa, tu es digne Seigneur, invincible Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es digne Seigneur, invincible, invincible Dieu. Seigneur, digne Seigneur, tu es digne Seigneur, invincible Dieu, tu es le Dieu des miracles, tu es digne Seigneur, éternel et papa. Le Créateur est mon Père, le Dieu d'amour, Dieu d'amour, tu es Papa, l'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père. L'Éternel est Papa, l'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Tout-Puissant, le Créateur est mon Père, le Dieu, Dieu d'amour, tu es Papa, oh mon Dieu, je t'aime. Je t'entends chanter ce soir. Le Tout-Puissant est Papa. Est-ce qu'il peut entendre la salle chanter? Le Créateur. Gloire à toi, Jésus. Encore une fois, l'Éternel est. Gloire à Jésus. Yeah. Le Tout-Puissant est Papa. Le Dieu d'amour. Dieu d'amour, tu es chante, Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa, tu es Papa, eh. Mon Dieu, je t'aime, chantez, mon Dieu, je t'aime, Papa.
Jésus, pousse, acclame le roi, les rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse nos familles. God bless our families. Que Dieu bénisse nos enfants. And bless our children. Que Dieu bénisse nos projets. Bless our projects. Alléluia. Que Dieu bénisse le Cameroun. May God bless Cameroon. Que Dieu bénisse le chef de l'État. May God bless the head of the state. Que Dieu bénisse les opposants. And the opponents. Que Dieu bénisse tous les Camerounais. God bless all the Cameroonians. Alléluia. Amen. Si je mets ma confiance en Jésus, mon Sauveur. Il me maintiendra debout. Si je mets ma famille en Jésus, mon Libérateur. Il me maintiendra debout. Si je mets mes affaires entre les mains de Papa. Il me maintiendra debout. Si je mets mes enfants en Jésus, mon Sauveur, il me maintiendra debout. Oh. Si je mets mes fiançailles dans les mains de Jésus, il me maintiendra debout. Oh. Si je mets la chapelle de la grâce dans les mains de Papa, il la maintiendra debout. Oh. Il me maintiendra debout, oh, debout. Est-ce que tu peux dire, il me maintiendra debout et debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma santé dans les mains de Papa, il la maintiendra debout. Je veux t'entendre chanter. Si je mets mes affaires dans les mains d'El Shaddai, il les maintiendra debout. Mon projet de voyage dans les mains de Jésus. Il me maintiendra debout. Mon projet de mariage dans les mains de Jésus. Il me maintiendra debout. Je prends mon ministère, je remets à Yahweh mon Sauveur. Il me maintiendra debout. Et debout. Debout. Il me maintiendra debout. Oh. Il me maintiendra debout. Oh. Si je mets ma confiance
Est-ce que quelqu'un peut chanter? Il me maintiendra debout. Oh. Si je mets mon esprit dans les mains de Jésus, il me maintiendra debout. Oh. Si je prends tous mes enfants, je remets à papa mon protecteur. Il me maintiendra debout. Oh. Si je prends mes finances, je remets à Jésus. Je prends les anciens et remets à Yahweh mon sauveur. Il me maintiendra debout. Oh. Je prends les pasteurs, je remets en Jésus mon sauveur. Il me maintiendra debout. Oh. Je prends les musiciens, les choristes, je remets à Jésus. Il me maintiendra debout. Oh. Je prends les hôtesses, la sécurité, je remets à Jésus. Oh. Je prends la communication, je remets à Jésus mon sauveur. Il me maintiendra debout. Je prends les diacres, les diaconesses, je remets à Jésus mon sauveur. Il me maintiendra debout. Je prends les mamans, les papas et je remets à Yahweh. Il me maintiendra debout. Oh, debout. Il me maintiendra debout. Il me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Vous savez, vous devez aimer chanter. Hein? Must love to sing. C'est quand nous on chante, ça vous énerve, il vous faut la délivrance. If you are vexed while you are singing, you need deliverance. Je vous dis que nous on a pleuré. We cried. On a crié à Dieu pour avoir un endroit où on pouvait le louer sans s'arrêter. We screamed to God to have a platform to praise Him. La chapelle de la grâce est le résultat d'une prière. Chapelle de la grâce is the result of a prayer. Des personnes qui disaient à Dieu, nous voulons louer. People were crying to God that we want to. Nous voulons un endroit pour louer. We want a platform to praise pour you. Pour adorer. To worship sans you. Sans s'arrêter. Without stopping. Parce que vous savez, il y a des églises où la louange c'est un problème. In some churches, praise is a problem. Le son d'abord est bizarre. The sound is bizarre. Les musiciens sont possédés. Musicians are possessed. Les chanteurs sont envoûtés. The singers bewitched. L'atmosphère est bizarre. The atmosphere is strange. Donc nous avons la grâce. We have the grace. D'avoir une équipe de louange extraordinaire. To have an extraordinary team of praise. Les musiciens sont comme les anges. The musicians are like angels. Ils sont d'abord mignons. They are cute. Handsome. Vous savez, ici, il y a des gars ici qu'on doit doter ici sur la terre. If the guys are to be in, comme les musiciens ici. That to be paid the dowry. Non, pour leur mariage, c'est moi qui prends la dot. I will take the dowry for them. Alléluia. Praise the Lord. Donc, si une soeur intéressée qui vient me voir. If a sister interested, come to see me. C'est moi qui gère. I handle it. Alléluia. Praise the Lord. Nous avons tellement à dire ce soir. You have too much to say tonight. Je ne sais pas par où on va commencer. I don't know where to start. Mais je sais qu'on va finir dans l'onction. But I know we're gonna end on the anointing. Je sais qu'on va finir dans la puissance. We're gonna end in power. Alléluia. Amen. Jephthé était un vaillant héros. Jephthé was a valiant hero. Juges chapitre 11. Judges chapter 11. Dieu doit te donner l'onction pour exercer une fonction. God must give you anointing to exercise a function. Dieu doit te donner l'onction pour dominer dans un endroit. Anointing to rule in a place. Le Seigneur doit te donner l'onction pour régner dans un territoire. The Lord gives you anointing to rule in a territory. Là où tu travailles. Where you are working. Tu peux avoir ton patron hiérarchique. You can have your hierarchical boss. D'après l'ordre de la société. According to the order of the society. Mais spirituellement. But spiritually. C'est toi qui dois régner. You must reign. C'est ce que tu dis. What you say. C'est ce à quoi tu aspires. What you are aspiring to. C'est ce que to, tu penses. What you are thinking. Qui arrive. Must come to pass. Pour cela, for that, il te faut l'onction. You need anointing. Il y a certains chrétiens qui se plaignent, je ne comprends pas.
J'ai ma collègue là, quand elle parle au patron, ce n'est que ce qu'elle dit qu'il fait. My colleague, when she speak the boss, j'ai un autre collègue là. I have a colleague. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Everything he said is executed. Ce in que the tu ne sais company. Pas, c'est que tes collègues vont chez les marabouts. Your colleagues go to the native doctor. Why you don't know? En 2006, quand je travaillais au ministère de la fonction publique. In 2006, when I was in the public le service, lundi qu'on arrive au travail, Monday when I got to the service, les collègues racontent, chacun raconte comment il allait chez son marabout. The colleagues were bearing testimony of et c'est normal. Experience il y avait un lui allait à Bafia, dans son village. One was going to Bafia in his village. L'autre allait à Boya, voir un marabout là-bas. To see a native doctor. D'autres voyaient les marabouts de la briqueterie. And I was going to briqueterie. Pendant que le week-end, vous êtes en boîte, and the week you are the, vos collègues vont chez les marabouts. You are at the nightclub. Et vous êtes choqués que c'est eux qu'on envoie en mission. And the colleagues go to the native doctor. Vous êtes choqués que c'est eux qui ont les avancements. You are shocked that they are promoted. Vous êtes choqués que c'est eux qui sont nommés chargés d'études. You are shocked that they are appointed. Parce que vous vous dansez en boîte. Because you dance in the nightclub. Vos collègues vont chez les marabouts chercher la nomination. Your colleagues go to the native doctor to seek for appointment. Le diable, le marabout lui donne une onction pour avoir une fonction. They have anointing for a function. Mais les chrétiens, ils s'amusent. But the Christians are joking. Vous pensez que l'église c'est l'endroit où on vient seulement regarder, on rentre, écouter, rentrer? You think that you are observing. In the church, le problème des gens de l'église, the problem in the church, c'est qu'ils lisent la Bible. The people in the church, they read ils ne the pratiquent Bible, pas. They don't practice. Ils écoutent la parole. They follow, ils ne pratiquent pas. They don't practice. Jephthé à la base était un vaillant héros. Japheth at the basis was a valiant hero. Jephthé était un vaillant héros. Japheth was a valiant hero. Et la femme de son père and his a accouché des enfants. Father's wife had children. Quand elle accouche les enfants, ça n'a pas créé problème. She delivered children and there was no problem. Parce qu'ils sont venus trouver Jephthé dans la maison. Because they found Japheth in the house. Ça n'a pas créé un problème. There was no challenge at that Jephthé time. Jephthé faisait les tâches ménagères comme cela se devait. Japheth was doing house chores. Jephthé aidait sa belle-mère. He was helping his mother-in-law. Jephthé était soumis à la maison. Japheth was submitted in the house. Mais le problème est arrivé quand les frères de Jephthé ont grandi. The problem emerged when the brothers of Japheth grew up. Il y a beaucoup de personnes avec qui vous marchez. Many people with whom you were, quand ils ne sont encore rien, when they are nothing, vous ne savez pas qu'ils vont vous chasser bientôt. You don't know that we chase you away soon. Lorsque je parle de chasser, when I talk about chasing c'est away, une personne qui n'était rien, person that was nothing, et quand elle devient, when she becomes, elle te montre qu'en fait tu n'étais rien à la base. It shows you that you were not at the basis. Donc avant que ses enfants ne grandissent, before his children grew up, ils étaient gentils avec Jephthé. They were kind with Japheth. Mais quand ils ont grandi, when they grew up, ils sont devenus amers. They became bitter. Ta copine là, quand elle n'était rien, your friend, when she was nothing, ta cousine là, quand elle n'était rien, your cousin, she was not ta fiancée là lorsqu'elle n'était rien, your fiance, she was not ton gars là lorsqu'il n'était rien, your boyfriend, nothing, c'était l'amour parfait. It was a perfect depuis love. Que since, il y a beaucoup de personnes many people qui ont été chassées were chased away. Juste après que after that, cette personne soit devenue. That person became, tu es dans l'onction de Jephthé. You are under anointing of Japheth. J'ai vu dans certaines familles, I saw in some families, avant qu'on élève quelqu'un, before somebody is brought non, il y a l'amour dans la famille. There's love in the family. Mais le jour qu'il y a un directeur qui est nommé, the day the director is appointed, il y a un ministre qui est nommé, or a minister, il y a un chef service qui est nommé, a service, a health service, c'est là que tu vois que la famille était divisée depuis la base. That you understand that the house was divided. C'est généralement les nominations, les élévations dans les familles qui démontrent, qui exposent la division dans la famille. Generally, promotion in the family exposes division in that family. Celui qui est le plus proche du boss écarte les autres. The person that is closer to the boss puts celui people qui aside. Bénéficie des grâces du boss écarte les autres. He puts aside other people. Quand ils étaient petits, when they were small, ils appréciaient Jephthé. They were appreciating mais quand Japheth. Ils ont grandi, when they grew up, ils ont chassé Jephthé. They chased Japheth away. Il y a des gens ici qui ont été chassés quelque part. Persons here were chased away somewhere. Et c'est un esprit de rejet. And it's a spirit of reject. Parfois ce n'est pas toi, c'est ta mère. Quand ta mère est enceinte de toi, on l'a chassée de la maison. Perhaps your mother when she was. Il y a des hommes tellement. Parfois ce n'est pas lui, ce sont les esprits. The spirits. Ce sont les esprits. It is caused by spirits. Le gars chasse sa femme, elle est enceinte. The husband chases the wife when she's pregnant, puts her outside. Il est sans sentiment. Without feeling. Il est sans sentiment, il la met dehors. Puts her outside. Donc, ta mère a été chassée pendant qu'elle était enceinte de toi. So your mom was chased away when she was carrying you. Et l'esprit de rejet là continue à tourner derrière and toi. And that spirit of reject is after you. Ton père a été chassé de l'entreprise. Your father was dismissed. Pendant que ta mère était enceinte de toi. While your mom was pregnant of you. Un monsieur me racontait l'histoire de sa famille. Mom was narrating the story. Il me dit que c'est quand sa femme était enceinte de sa fille en 90. When the wife was pregnant in 1990. C'est là. Then. Qu'on l'a déflatté à la banque. He was dismissed. C'est un esprit de rejet. It's a spirit of reject. Donc, ça peut être quelque chose qui a été fait à toi. Can be something that was done to you. Ça peut être
quelque chose qui a été fait à quelqu'un qui était proche de toi. But it was done against a close member. Si ton père a été chassé. If your father was chased away. Pendant que tu grandissais et ça a créé des problèmes pour que vous soyez nourris. While you were growing up and it created problems. Si ta mère a été chassée, sa belle famille ne l'aimait pas. Or your mom was not loved by the family in law. C'est un esprit de rejet. It's a spirit of reject. Et lorsque tu commences ta vie avec un esprit de rejet, when you start your life with a spirit of reject, si tu n'es pas délivré, if you are not delivered, tu vas vivre le rejet partout. You experience reject L'esprit everywhere. De rejet parfois n'est pas chassé dans la vie des gens, mais il est endormi. The spirit of reject is dormant. Quand le gars là te drague, c'est l'amour parfait. Well, you have a move and that's that is perfect. Mais il y a un temps marqué où l'esprit de rejet doit se réveiller. But at the time it will wake up, that spirit will wake up. Et quand l'esprit de rejet se réveille, when it wakes up, celui qui est person that ou celle today, qui est or the person that t'aimait à la folie was loving you, te regarde comme les excréments. Now start disliking you. Si tu regardes, réalises que deux, trois personnes ont fait la même chose, you realize two, three ça commence bien, après ça thing. Se gâte. Start ça well. Commence bien, après c'est la haine. Start well and after ça commence bien, après c'est l'amertume. Love and bitterness. Ça commence bien, après c'est la division. Love and division. Cherche la délivrance. Seek for deliverance. Suis l'esprit de rejet. On the spirit of reject. Cherche la délivrance contre l'esprit de rejet. Against the spirit of reject. Madame, tu as accouché les enfants. Lady, you had children. Qu'est-ce que tu vivais pendant que tu étais enceinte de ces enfants? What were you experiencing while you were pregnant? Il y a un esprit de rejet sur ces enfants. There's a spirit of reject upon them. Qu'est-ce que tu vivais avec le père de tes enfants? What were you experiencing with the father of the La première children? Fois que tu as accouché, qu'est-ce que le père de ton premier enfant, de ton premier fils, de ta première fille te faisait? What were you experiencing with the father of the child? Cet esprit de rejet a suivi tous les autres. That spirit of rejection followed all the children. L'esprit de rejet entre dans le monde quand l'homme a péché. The spirit of rejection entered in the world when the man sinned. Quand l'homme a péché, when the man had sinned, Dieu a chassé l'homme. God chased away the man. Le jour où l'homme pêche, the day the man sins, Dieu le chasse du jardin. God chases him away from Dieu the garden. Dieu chasse la femme du jardin. He chases the wife. Et ce jour-là, le rejet entrait dans le sang de l'homme. And that day, the rejet entered the blood of the man. C'est pour ça que Jephthé aussi, il pouvait subir ce rejet. That's why Jephthé could undergo that reject. La femme de Galaad a enfanté des fils. The woman of Galaad gave birth to children. Devenus grands. These sons grew un up. Un peu d'argent. Little money. Devenus belles. Beautiful. Il y a des hommes qui ont payé les études aux femmes. Some men paid education to women. Il a pris la fille en première. Took the lady to premier. Il a payé les études. He paid her education. Lui n'a pas beaucoup fréquenté. Lui l'a arrêté au CAP. And he stopped to CAP. Mais l'amour fait faire les choses. But love pushes people to do something. Quelqu'un dit vérité. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas que les femmes qui ont été chassées. Il y a les hommes aussi qu'on a chassés. Even men were chased away, not only women. Elle a eu la licence. She had a, elle a eu le master. A degree, a master degree. Et c'est là qu'elle réalise que, and then she realizes that, après une apparition divine, after divine appearance, que le CAP et le master ne vont pas ensemble. The CAP and master cannot Jesus. Be compatible. Et quand le gars là va amener ta photo sur le marabout pour t'attacher, tu vas venir à l'église. And when that guy will bewitch you, will come to the church. Yay! Tu tout savais. If you knew. Si tout savait. If you knew. On traduit si tout savait en anglais. Si tu savais que intellectuel de ton état ne pouvait pas épouser un gars qui n'a pas les diplômes. If you knew that intellectual as you have, you cannot get that kind of guy. Il ne fallait pas manger son argent. You shouldn't have eaten his money. Parce qu'il y a des hommes qui vous attachent ici dehors. Because some men bewitch you. Parce que partis manger consciemment leur argent. Because you ate their money consciously. Vous savez ce qu'elles disent souvent quand ils finissent de manger. They say. Est-ce que je lui ai demandé? I didn't ask to him. Attends, je dis, tu n'as pas demandé. You didn't il t'a ask. Donné, tu as pris. He gave you and you took. Je vais tout entendre ce soir. Mettez les micros là pour que j'entende ce que les sœurs disent dans la salle. Hey! Les ingrates. Ungrateful ladies. C'est ce qu'elles disent. They say. Est-ce que je lui ai demandé? Il a fait parce qu'il voulait. He did it because he wanted. Mon frère, si quelqu'un t'a fait, même si tu n'as pas demandé, non, dis quand même merci. Ne dis pas, je ne l'ai pas demandé. La Bible dit que ce genre de relations sont des relations liées à des vœux.
The Bible says this kind of relationship are attached to vows. Il t'a payé les études parce qu'il voulait t'épouser. He paid education to you because he wanted to get married to you. Tu as accepté qu'il te paye les études, tu connaissais ses intentions. And you accepted it because you knew his intentions. Et dès que tu as eu tes diplômes, tu dis continue ta route. Once you got your degree, tu as fait un vœu. You broke the relationship. Généralement, pour se détacher de tels vœux, il faut supplier. Generally, to disconnect, you have to beg. Que pardon, laisse-moi partir. Please, I beg you, let me go. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Because he has power upon you. Escrow girl. Crook lady. Fair woman. Il a le pouvoir sur ta vie. He has the power upon your life. Va te marier au pôle Nord. Go and get married to the North Pole. Celui que tu as escroqué. The person you crooked. Il dit au marabout que cette fille m'a fait du mal. Says to the native doctor she did me harm. Le marabout garde ton mariage. And he spoils your marriage. Ne fais pas la gueule. Don't be mouthy. À celui qui t'a financé. To the person that sponsored you. Ne fais pas la gueule. Don't be mouthy. À celui qui t'a aidé. To the person that helped you. Vos histoires, vous êtes dans les églises là après, est-ce que je l'ai est-ce que je lui ai demandé? You say you are in church. Est-ce que je l'ai appelé? You give reasons. Est-ce que je lui ai forcé? Il a beau chiche comme tout. C'est pour 100 euros qu'il me parle fort comme ça. Mm. S'il veut, je jette sa partie, viens prendre. Jette-moi, je vais venir prendre, je vais lui donner. Elle ne donne jamais, elle ne remet jamais. They never return the money. Mais dit, s'il veut, s'il insiste trop, je lui remets ça. If he wants, I reimburse him. Quand ils sont devenus grands. When they became old. Permettez-moi d'avancer ce soir. Quand ils sont devenus grands, ils ont chassé Jephthé. Quand ils sont devenus grands, ils ont chassé Jephthé. They chased Jephthé away. Jephthé n'a pas insisté. Jephthé didn't insist. Quand quelqu'un déjà grand. When somebody is old already, et qui ne reconnaît plus ton autorité, I don't recognize your authority. Laisse-le partir. Let him go. Quand quelqu'un est déjà grand, when somebody is old, et qui te méprise suffisamment, and despise you enough, laisse-le partir. Let him go. C'est un conseil que je veux donner à un pasteur qui me regarde à la télé. It's a piece of advice I want to give to a pastor. Si dans ton église, if in your church, dans ton staff, in your staff, parmi tes pasteurs, among your pastor, quelqu'un est déjà grand, somebody is grown, laisse-le partir. Let him go. Un jour. Je parlais avec un père. One day I was conversing with a father. Je lui dis vieux père. Old father. Je vois dans l'église là, dans ton église. I see in your church. Plusieurs rebelles qui veulent déjà partir. Several rebels, they want to go. Pour que l'église ne se gâte pas, aide-les à partir avant qu'ils ne se rebellent. For the church not to get spoiled, let them go. Il m'a dit révérend, faut laisser. He said let. Mais quand ces gars sont partis. When these guys left. C'était la catastrophe. It was catastrophe. Si dans ton entourage, if in your surrounding, tu es leader d'entreprise, you are leader of company, tu es chef de famille, you are head of family, tu es chef d'église, head of church, tu es chef quelque part, head somewhere, il y a des signes de rébellion, there are signs of rebellion, il y a des signes d'ingratitude, signs of thanklessness, il y a des signes de déloyauté, signs of disloyalty, aide ces personnes à partir, help that person to go. Quelqu'un est dans ta maison, somebody is in your house, tu dis va laver les assiettes, you say go and wash this, et tu regardes comme ça. She despises you. Look you down. Je t'ai dit va laver les assiettes. I told you go and wash the dishes. La fille te fixe. She challenges Madame, you. Madame, allez laver les assiettes. Madame, go and wash the dishes. Elle change de position. Changes the position. Mon ami. My friend. Fais partie la fille là. Let her go. Généralement, c'est les nièces du mari qu'on a fait venir du village. Generally, those are the nieces from the village. Mon frère. My bro. Antenne de contrôle. In terms of control, pour accélérer l'esprit de rejet sur ta vie. Control antennas to accelerate the spirit of reject upon your life. Dans ta maison là. In your house. Dans ton entreprise. In your company. Dans ce que tu diriges. In your undertakings. Si tu n'aides pas la personne à partir. If you don't help her to c'est go, la catastrophe. It will be catastrophe. Jephthé était le grand frère. Jephthé was the elder brother. Chassé. But he was chased away. Il est parti. He went. Parce qu'il ne pouvait pas avoir de paix. Because he couldn't have peace. Lorsqu'il y a déjà conflit. When there's conflict. Tout le monde est grand. Everybody is old. Dans l'église, tout le monde est grand. Everybody is old in the dans church. La chorale, tout le monde est grand. In the choir, everybody is old. Chez les anciens, tout le monde est grand. The elders are old. Il faut faire partie de certaines personnes. Let go some persons. La séparation n'est pas la division. Separation is not division. Si mon ami, tu ne te sens plus à l'aise à la chorale. If my friend, you don't feel at toutes ease les instructions, at the choir, tu ne te sens pas à l'aise quand on donne les instructions. You are not comfortable when you are giving instructions. Pas avant qu'on ne te chasse. Go before you are chased away. Parce que quand on te chasse, on te maudit en même temps. Because you are cursed if you are chased away. Oui, quand on te chasse, on te maudit. C'est une façon de te maudire. If you are chased away, it's a way of cursing you. Si tu réalises que chez les hôtesses, tu n'es plus à l'aise. If you are not comfortable amongst the hostesses. Dans le groupe des anciens, tu n'es plus à l'aise. In the midst of elders, you are not comfortable. Pas en même temps. Go at the same time.
crée la séparation avant qu'on ne te chasse. Create separation before you are chased away. Parce que généralement on chasse avec violence. Because generally you are chased away with violence. Généralement on chasse avec brutalité. You chase away with brutality. Et quand on chasse Jephthé, and when Jephthah is chased away, Jephthé se retrouve dans la rue. Jephthah found himself in the street. Quand on chasse Jephthé, when Jephthah is chased away, Jephthé se retrouve dans la rue. He's found in the street. Et le motif premier pour lequel on le chasse, and the first motive from which he's chased away, c'est que on dit Jephthé, tu es un bâtard. They accuse him of being a bastard. Jephthé, tu es un bâtard. Jephthé, you are a bastard. Il y a dans certains groupes, dans certaines familles, dans certaines églises, dans certaines entreprises, in some groups, families, churches, companies, il y a des gens qui se prennent pour les fils hyper légitimes. Some think that they are hyper legitimate sons. Et leur façon d'être légitime, c'est de rendre les autres illégitimes. And their way of being legitimate is to make others illegitimate. Parce que normalement, un vrai fils légitime accueille les autres fils qui arrivent. Because normally, a genuine legitimate welcome others. Mais il y a des endroits où les fils légitimes créent la barrière, on ne vous veut pas, les nouveaux là ne vous veut pas, nous on est là depuis. But some others, they reject others. Nous on est dans la fessie depuis. Some legitimate sons, they reject others. Mais la Bible dit que les premiers peuvent devenir les derniers. The Bible says that the first can be the last. Les derniers peuvent devenir les premiers. The last can be the first. Lorsqu'on parle d'un bâtard, c'est quelqu'un qui est né hors mariage. A bastard was delivered out of tout marriage. Tout enfant né hors mariage a un esprit de rejet sur sa vie. Every child that was born out of marriage. C'est une délivrance que tu dois faire. You need deliverance. On va faire ça la semaine prochaine. Next week you need deliverance. Tout enfant né en mariage. Any child out of marriage a un problème de délivrance. Has a problem of deliverance. L'esprit de rejet. A spirit of reject. Jephthé a été chassé parce qu'il n'était pas, sa mère n'était pas mariée à son père. Jephthé was chased away because the parents were not married. Si ton premier enfant tu l'as eu hors mariage, les autres dans le mariage. If your first child you have it after marriage and the others in the marriage. À partir du premier enfant, l'esprit de rejet est descendu sur tous les autres enfants. As from the first child there's a spirit of reject on others. Si tu es concerné par ce programme, mercredi nous allons travailler par rapport à ça. If you are concerned Amen. With this program Wednesday come. Nous allons attaquer l'esprit de rejet le mercredi. We will combat Amen. The spirit of reject. Si tu as conçu hors mariage, même si tu as avorté, tu as conçu hors mariage. If you conceive out of marriage. Même si tu n'as pas d'enfant, que tu avais conçu hors mariage. Even if you aborted and you don't have a child. L'enfant là. That child. Est entré dans ton ventre. Entered your belly. Avec un esprit de rejet. With a spirit of reject. Toute personne qui est arrivée sur la terre. Any person that came on earth. Le monsieur voulait une fille et tu as conçu un garçon. The man wanted a lady and you had a boy. Esprit de rejet. A spirit of reject. Le monsieur voulait un garçon, tu as conçu une fille. The man wanted a boy. Esprit de rejet. And you have a girl. Il y a un autre esprit de rejet qui vient dans la vie d'une personne. Another spirit of reject. Le monsieur aime sa femme. The man loved the wife. La belle-mère n'aime pas. But the mother-in-law not. Le monsieur aime sa femme. The man loves the wife. La belle-famille n'aime pas. The family-in-law not. Il force. They are forcing. C'est les soeurs qui savent forcer. Moi, je te conseille de forcer quand c'est Dieu qui t'a parlé. Advise you to force when you were advised. Mais quand c'est God. Pas Dieu qui t'a parlé, ne force pas. When God didn't speak to you, il y a des familles, on va te détruire. Il y a des familles, on va te détruire. You can be destroyed in some families. On te dit laisse notre fils, tu n'écoutes pas. They say let him go, you don't want to listen. Quitte derrière notre fils, tu n'écoutes pas. Let our son, you don't want to listen. Il y a des garçons qui sont des fonds de commerce pour leur famille. Sa mère et sa femme spirituelle. Some men are capital for their family. Sa mère et sa femme spirituelle. And the mother is the spiritual wife. Et tu regardes et dis quitte derrière mon fils. Let him go. Let my tu son go. Même. You say no. He lost me. Tu vas me faire quoi? What do we do? En 2015. 2015. On passait à Canal 2. We were passing in Canal 2. Et une femme m'appelle depuis Douala. And the mom called me from Douala. Pendant l'émission, parce que l'émission passait entre 5h30 et 6h. She called me. Live. Un vendredi. La femme m'appelle depuis Douala. She called me from Douala. Elle me dit homme de Dieu, est-ce que je peux vous rencontrer? J'ai un problème dans mon foyer. She said I have a problem in my marriage. J'ai dit ben il faut venir. Elle est quittée de Douala pour venir avec son fils. She came from Douala with her son. Elle me dit, homme de Dieu, cet enfant est SS. Said man of God, this child is SS. Mais j'ai un problème, c'est que mon mari est AA et moi je suis AA. My problem is that my husband is AA and I am AA. Et cet enfant naît dans des conditions compliquées parce que ma belle-mère ne m'aime pas. That child was born in complicated condition because my mother-in-law doesn't love me. Pour concevoir, j'ai souffert. I suffered to conceive him. Parce que le mariage, ma belle-mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu vas voir, comme tu veux épouser mon fils à tout prix, tu vas voir. My mother-in-law challenged me. Et quelques temps après le mariage, and a few times after the marriage, I had a dream. J'étais couché. I was lying mon mari down, couché. My husband ma belle-mère couchée au milieu. My mother-in-law in the middle of us.
Et quand j'ai conçu pour que l'enfant la reste, when I conceived for that child to remain, j'ai bataillé pour que l'enfant reste parce que l'enfant voulait sortir. I battled because he wanted to miscarry. Mais l'enfant est sorti maladif. But he came out with a sickness. Parce que la belle m'avait dit, tu vas voir. Because the mother-in-law. Même dans le copinage, even in friendship, quelqu'un qui dit derrière mon fils, nous on ne veut pas les pauvres dans notre famille. Even in the jokes, vous les filles des pauvres, vous aimez les enfants des riches. Hein? They say you are poor. Sa mère, quand sa mère, tu as amené quelle fille là? C'est l'enfant de qui? Parce que voilà la question. C'est l'enfant de qui est arrivé là? Whose child is this? Ton gars va dire que tu es l'enfant de qui? Ton père n'a aucun CV. Ta mère alors c'est la catastrophe. You have no background, no CV. Profession ménagère. C'est l'enfant de qui? Whose child is this? Et la belle-mère dans le copinage. And the mother-in-law in friendship. Dans l'iboinage. Demande que tu cherches quoi derrière mon fils? As that, what are you doing after my son? Tu dis, ah, moi, je l'aime. And you say, I love him. Il y a une jeune soeur. A young sister. Elle est partie signer, c'est l'enfant d'un grand de l'armée. She went to sign with a guy in the army. Et elle a conçu. She conceived. Et sa belle-mère faisait la comédie. Parce qu'il y a aussi les belles-mères. C'est des comédiennes. Her mother-in-law was a good comedian. Des comédiennes. Good comedian. Non, laisse mon fils, il faut laisser. Mon fils, il faut laisser. Alors qu'elle savait ce qu'elle faisait avec son fils. Oh, leave my son. Meanwhile, she knew what she was doing. Et elle me dit, elle m'écrit parce qu'elle va dans une autre église. And she wrote me from another church. Elle me dit, mon révérend, c'est vrai, j'ai compris, c'est bon, j'ai laissé. My reverend, I understood and I left. Et ce moment, il a mon cœur que toi, derrière vous, quoi? What have you said? Tu comptais sur quoi? We're relying on what? Pour insister dans une affaire aussi compliquée. To insist in that complicated matter. Je parlerai le mercredi de l'esprit de rejet. I will talk about the spirit of reject on Wednesday. Et tu comprendras que l'esprit de rejet que tu as eu à ta naissance, you will get that the spirit of rejection you contracted, ou à ta conception, you contracted that agit your conception, dans tes affaires, is acting your business, agit dans tes études, in your education, agit par rapport au travail, acting your job, même dans le ministère, even in the ministry, tu deviendras pasteur, you become pastor, tes propres chrétiens vont te rejeter, and your fellow will reject you, your members. Oui, les pasteurs, les chrétiens les rejettent. Son chrétien te préfère aller donner sacrifice à un pasteur sur internet. The followers reject some pastors. Il prie pour le chrétien. He prays for the Christian. Il encadre le chrétien. He. Mais le chrétien donne offrande à un pasteur sur internet. But the Christian gives offering to another pastor on the internet. Dans le milieu des pasteurs, il y a parfois dans nos conversations, tu comprends, un pasteur, il peut avoir AVC pour rien. Il dit que il priait pour les gens dans son église. He was praying for people in his church. Les gens qui n'ont même jamais donné offrande de 2000. People who never give an offering of 2000. Un jour, il invite quelqu'un. He invites someone. Et on dit, il faut bénir l'homme de Dieu. They say, come and bless the man of God. Il a vu la maman là. He said that mom. Apporter 100 000. Bring one. Chance que la chaise était en dur. She brought 100,000. Sinon, il tombait de la chaise. And he was amazed. Il dit, hein? J'ai payé le taxi à la maman hier. Elle a pris 100 000 où? He was astonished about that. Oui, tu as l'esprit de rejet, mon pasteur. You have the spirit of rejection. Pasteur, ne cherche pas l'onction de pour prier pour les gens si toi-même tu as l'esprit de rejet. Don't seek for anointing if you have the spirit of rejection. En 2016, un pasteur venu me voir ici depuis où il vient au Bala. 2016, pastor from Bala came. Il me dit, mon révérend, je veux que tu pries pour moi. My reverend, please pray for me. Parce que je comprends pas quelque chose, la fête de la prospérité là, je comprends pas ce qui m'arrive. I don't get that thing of prosperity. Les gens viennent à mon église misérable, dossier bloqué, la vie n'avance pas. People come miserable in my church. Mais dès que once, je prie pour eux. I pray for them. Le 4 9 est débloqué. They have. Le gars quitte l'église. Blessing and they leave the church. 11 millions débloqués. Millions. 12 millions débloqués. They leave. Le gars a la révélation que Dieu l'a demandé de rentrer dans son ancienne église. Once they are blessed, they have the revelation to go back to their former churches. Aïe! Il me dit, révérend, je veux que tu pries pour moi. Reverend, please pray for me. Je lui dis que mon frère, I said, bro, c'est pas affaire de prière de prospérité. Not a matter of prayer or prosperity. C'est affaire de chasser esprit de rejet. It's a matter of chasing away the spirit of reject. Je vous ai dit que la même personne I told you that the same qui person te refuse that refuses donne à quelqu'un d'autre. Gives to another person. Il arrose quelqu'un d'autre. He waters another person. Mais toi, l'esprit de rejet fait en sorte que but you, because of the spirit of reject, le 10 000 qu'on te refuse, the 10,000 you are refused, on donne 100 000 à quelqu'un d'autre. And 100,000 is given to another. Il a été chassé. He was rejected. Il a été chassé. He was rejected. Et lorsqu'il est chassé, when he's rejected, il s'est enfui loin de ses frères. He fled far away from his brothers. Dieu était avec ce gars. God was with that guy. Parce que lorsqu'il a été chassé, il ne s'est pas arrêté pour pleurer. Because he didn't stop to cry. Il ne s'est pas arrêté pour se lamenter. He didn't stop to lament. Il a fui. He fled.
Et la deuxième raison, à part le fait qu'il était bâtard, and the second reason, apart from the fact, pour laquelle il était chassé, the fact that he was bastard, sa mère était prostituée. His mother was a prostitute. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu. Many women conceived. L'homme là te prenait pour une prostituée. That man took you as a prostitute. Je crois qu'on va parler de ça le mercredi. We emphasize on it on Wednesday. Et lorsqu'il est chassé, Jephté est un vaurien. Jephté is a good for nothing. Un vaurien, c'est quelqu'un qui est comme un bandit. He was like a bandit. C'est quelqu'un qui est comme un brigand. Somebody like a brigand. C'est quelqu'un d'illégitime. Illegitimate person. C'est quelqu'un d'illégal. Illegal person. Jephté est un vagabond. Jephté was a vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas opposé la tête. A vagabond has no adobe. Ça dit que même quand tu vas, on te permet de dormir dans une maison. Even if you are allowed in a chaque house. Chaque jour on te rappelle. Every day you are recalled. On te rappelle que même l'air que tu respires ici. You are remember that the air you are breathing. Que le matelas où tu es couché là. Where you are sleeping that bed. L'eau que tu bois là. You are drinking that la water. La nourriture que tu manges là. And that food you are eating. Un jour tu vas vomir ça par les narines. One day you're gonna vomit it through your nose. Que tu manges mais tu n'as pas l'appétit. You eat without appetite. Il est un vagabond. A vagabond. Il n'a pas de travail. No job. Il n'a pas de métier. No job. N'aucune profession. No profession. On ne peut rien faire pour lui. Nothing can be done for him. Il n'est pas identifiable, il n'avait pas d'acte de naissance. No ID card. Il n'avait pas de carte d'identité. No ID card. Il n'avait pas de passeport. No passport. Voilà quelqu'un somebody qui a quand même servi dans sa famille. Who has served in his family. Mais quand les gens sont devenus grands, when people became old, on l'a chassé. He was dismayed. Jephté était le fruit d'une aventure. Jephté was a fruit of an adventure. Il y a plusieurs ici, même l'avortement, on a tout fait pour t'avorter, si tu n'es pas sorti. Many here they did everything to abort you, but they didn't. Ta mère t'a pas dit la vérité, elle avait essayé de t'avorter, mais tu n'es pas sorti. Your mom tried to abort you. Elle a bu la quinine, tu as bloqué la quinine comme ça, elle a dit je ne sors pas. She drank quinine and you block it. Je continue. Elle a bu le miel. You drank the honey. Toi-même tu as avalé le miel, là tu as dit que moi je vais me faire grossir. And you swallowed it, you became. Elle a pris la pilule du lendemain. She took the tu as dit à la fille, tu as dit, étant dans le ventre, in the belly, prends même pour le surlendemain, je suis que sauf que sur ça. Elle est partie à l'hôpital. She went to the hospital pour faire curetage. For curetage. Quand tu as vu les ciseaux là entrer, when you saw the scissors, tu as dit aux ciseaux là que traverse, glisse comme un cuir, you said I cannot come traverse au moins. Pass by me. Ça t'a quand même un peu blessé, mais tu es resté. But you remain there. Et tu es là ce soir. And you are here. Tu es comme Jephté. You are like Jephté. C'est la suite de ton histoire qui m'intéresse. The continuation. Yes. Donc même si tu es arrivé sur la terre, if you came on earth, après beaucoup de complications, laisse-moi te dire, depuis le jour de ta conception, l'Esprit de Dieu était déjà sur toi. Yes. Même si tu as vécu comme un vagabond, même si tu as vécu comme un vaurien, l'Esprit de Dieu était déjà sur toi. Yes. L'Esprit de Dieu te connaissait. Yes. Laisse-moi te dire, Église, hey, même si tu es considéré comme bâtard, l'Esprit de Dieu était déjà sur toi. Amen. Orphelin de père ou de mère, l'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Yes. Je parle à Jephté ce soir. Yes. Je parle à Jephté ce soir. Yes. Ton histoire ne dépend pas de tes origines. Non. Ton histoire dépend de Jésus. Amen. Ton histoire dépend de Jésus. Amen. Ton histoire dépend de l'Esprit de Dieu. Yes. Avant ta conception, hey, l'Esprit de Dieu était déjà sur toi. Amen. Et je déclare, yes, avec l'onction de Jephté, yes, ceux qui t'ont chassé, hey, vont revenir vers toi. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Quelqu'un dans la Bible s'appelait Ismaël. Somebody in the Bible was called Ismaël. Pour qu'il naisse. For him to come out. La femme de son père a donné l'autorisation. He had authorization. Mais quand il est né, when he came, la femme de son père l'a chassé. The wife of his father. Tu sais comment Sarah chasse Agar? Do you know how Sarah chases away Agar? Dans Genèse 21. In Genesis 21. Quand Agar a accouché Ismaël, when Agar delivered Ishmael, il n'y a pas de problème. There was no problem. Le problème c'est quand Isaac est venu. The challenge emerged when Isaac came. Isaac a grandi. Isaac grew up. C'est quand Isaac a grandi. When Isaac became old. La Bible dit que quand Isaac grandit. When Isaac became old. Le deuxième problème après que Isaac ait grandi. The second challenge after he grew old. Sarah a vu Ismaël rire. Sarah saw Ishmael smiling. Quand tu as l'onction de Jephté, when you have Jephté's anointing, on n'aime pas te voir rire. They don't like to see you smiling. Tout le monde peut rire sauf toi. Everybody can smile except ça you. Dit que quand tout le monde regarde la télé, toi tu n'avais lavé les assiettes. You must cry.
Quand tout le monde va au cinéma, toi tu dois aller puiser l'eau. Le problème de ces personnes, c'est que tu ne dois pas rire. You must not laugh. Mais laisse-moi te dire, yes. Ceux qui veulent te voir pleurer, je dis dans ce programme, yes. Le Seigneur va les confondre. Amen. Le Seigneur va les confondre. Amen. Le Seigneur va les confondre. Amen. Je dis ceux qui veulent te voir pleurer, hey. Ceux qui veulent te voir te lamenter, hey. Je dis la confusion dans leur camp. Amen. Ils veulent que tu pleures sur tes enfants, hey. Que personne n'avance dans la famille, hey. Personne ne prospère dans la famille, hey. Personne n'évolue dans la famille, oh. Ils veulent te voir pleurer, hey. Mais laisse-moi te dire, yes. Laisse-moi te dire, yes. Tu as déjà suffisamment pleuré, yes. Après ce soir, yes. Les pleurs s'arrêtent. Ça s'arrête. Les pleurs s'arrêtent. Ça s'arrête. Tout oncle de ta famille, hey. Tout cousin de ta famille, hey. Qui veut te voir pleurer, je prophétise, yes. Et je déclare, yes. Je prophétise, yes. Et je déclare, yes. Je prophétise, yes. Et je déclare, yes. Ils seront confus. Amen. Ils seront confus. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. Amen. Verset 8 de Genèse chapitre 21. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Quand Isaac a grandi, when Isaac grew, comme les frères de Jephthé avaient grandi, as they grew up, il y a eu la fête pour Isaac. There was a feast for Isaac. Mais Ismaël ne devait pas rire à la fête d'Isaac. But Ismaël was not supposed to smile. Je ne sais pas si tu as vécu ce genre de choses. I don't know if you experienced such things. Ou le capo de la famille. Where the capo in the family. Il est bien. He's good. Mais il ne veut pas voir les autres, les enfants de sa sœur, de ses frères rire. He doesn't want other children to pour vous donner smile. L'argent de l'école. To give you, il vous tourne pendant 2 semaines. Give you money, he turn you around. Tu as l'onction de Jephthé. You have Jephthé's anointing. Ce soir, c'est ton soir. Tonight Amen. Is yours. Sarah vit le fils d'Agar rire. Sarah saw the son of Agar smiling. Sarah vit rire le fils d'Agar. Sarah saw Ismaël smiling. Hey. Verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Et elle dit à Abraham, parce Abraham, qu'il est riche, chasse-le. Chase him away. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas me voir rire comme ça? Some people don't want to see me je vous ai dit que mon problème, my problem, c'est parce que les gens because trouvent que je ris et j'ai réussi. People think that I've succeeded, alors que je ne fais que commencer. Meanwhile, I'm just starting. Si je pleurais, if I was crying, on devait me laisser dans mon coin. They should have left me aside. Parce qu'on me voit monter. Because they see me climbing. J'ai parlé du prophète aussi. Talked about the prophet. Quand il est parti de là où il était. When he left from that place. On ne parle pas de lui. Mais le jour où on l'a vu rire à la télé. When they saw him laughing at the on TV. Dit, hey, they wonder. Tout le monde doit rire sauf lui. Everybody must laugh except him. Laisse pas là, je lève ma main vers le ciel. Yes. Si quelqu'un a déclaré ça sur ta vie. Hey. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Le Seigneur va le confondre. Amen. Le Seigneur va le confondre. Amen. Le Seigneur va le confondre. Amen. Je dis si quelqu'un a signé que tu dois pleurer chaque jour. Hey. C'est depuis ta famille. Hey. C'est depuis ta famille. Hey. La grande sœur de ton père. Oh. La grande sœur de ta mère. Oh. A dit. Hey. Tous les enfants de ta mère vont pleurer. Hey. Je déclare. Hey. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Au nom de Jésus. À cette église. Les gens sont méchants. La wicked. T'es qu'à son église. Somebody has his church. Près de 1000 personnes. Thousand. Il voyage en première classe. Thousand members. Je ne le dérange pas. Mais le gars jure qu'il va me faire tomber. And the guy swore that he will show me. Les gens sont méchants. Hein? People are wicked. Nous on a chambrette d'église. Ça c'est chambrette. This is a small church. Mais ça l'énerve. But they are vexed. Hey! Quelqu'un m'avait dit un jour. Somebody told me ce qu'elle n'aime pas avec vous, c'est que vous faites des défis avec les grands. What I don't like with you, you challenge the. Ce qu'il appelle défi, j'ai venu l'acheter Toyota Carina sans clim. A challenge for him is a car I bought. J'avais la Carina sans la clim. Carina without. Ça l'a énervé. Without air conditioning. Quelqu'un qui a plus de 10 voitures. And he was vexed. Il a la rage de voir que un enfant de 23 ans achète la Carina. Meanwhile, he's old and he has several cars. Ça a fait tout un débat. It was a debate. Les gens sont méchants. Hein? People are wicked. Hein? Toi, tu portes ton habit de mon colo, ça l'énerve. Hein? You have your floor clothes. Tu portes ta mèche de 2500. Tu as juste bien lavé et bien repassé. Ça l'énerve. You have your point station and their vest. Le problème, c'est pas que tu portes l'habit cher. C'est que tu es né avec l'élégance. Ah. Et quand tu as ta démarche là, ça l'énerve. Ah. Il ne veut pas te voir rire. Je dis que le Seigneur va les confondre. Amen. Le Seigneur va les confondre. Amen. Le Seigneur va les confondre. Amen. Quand on ne va pas prier aujourd'hui, on va seulement parler. Just speak. Yes. Il faut que tu parles. Les gens sont méchants. People are wicked. Les gens sont méchants. People are wicked.
tu ne t'habilles pas cher. C'est juste que tu as le style. You have style. Yes. With your progress. Et elle est toujours en train de te comparer à ses enfants. And they compare you with other children. Oui, même parce qu'elle avait aussi l'habit que tu portais là. Hein. Mais elle portait ça mieux que toi. Je t'ai demandé quoi, la mère? Les gens sont méchants. People are wicked. Quelqu'un rentre, il est dans ses voyages, il monte, il descend. Somebody, he goes everywhere. Il a la rage que pour Zanga, il y a la télé. And he vexed that Pozanga has the TV. J'étais empêché d'avoir la télé. Did that hinder you to have the TV? Il a dépensé plus de 100 millions pour avoir sa télé, on l'a escroqué. He spent too much amount of money. Mais nous, on a fait la télé avec 450 000. You have the lesser amount of grace. Yes. Ce n'est pas l'argent qui nous fait faire le ministère. Somebody that brings. C'est la grâce. Yes. Au lieu de venir, me dit petit, montre-moi le chemin. Instead of coming for advice, il dit comme Prozan, ah, j'aurai aussi. Monsieur, tu es éléphant. He challenge. Prozan, c'est fourmi. You are elephant. Prozan. Quand éléphant bagarre avec fourmi. When elephant challenge ant. Faut pas te souiller, mon ami. There's a problem. Ça c'est, on appelle ça souilleur des gens. Tu te souilles. Quelqu'un qui a dépensé plus de 50 millions pour avoir sa radio, on n'a pas dépensé 10 millions. Parce que c'est la grâce. Ah. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire le ministère. We don't need a huge amount on a of besoin money de l'Esprit ministry. De Dieu et de la grâce de Dieu. But we need the grace of God and the Spirit of et les God. Choses coulent. And things go forward. Les choses coulent. Things go forward. Donc, le problème de Sarah, c'est que Ismaël rit pourquoi? The problem of Sarah was the même dans l'église, il y a des gens comme ça. Even the church, people like this. Pourquoi la sœur elle veut montrer que l'argent peut qui sacrifice de quoi? On va voir ceci. Hey. They don't like other people laughing. Voiture est mieux derrière la voiture vraiment que sa voiture. C'est pas la voiture de son père. Elle peut acheter une voiture comme ça, prostituée comme ça, prostitue comme ça. Quelle voiture elle peut avoir la voiture? Regarde quand tu la vois, même sa démarche, elle est abusillée partout. Vraiment, quel Dieu m'aime. Elle prie quoi? J'ai les vieux, ils tournent là-bas non? Tu me racontes même quoi? Jalousie. Jalousie. Partout il y a les femmes. Hein. Everywhere the women. Hey, Abraham n'a pas le problème. Hein. C'est les femmes le problème. Women Sarah. Maman Sarah. Maman Sarah. Il y a quoi dans ton cœur? What's in your heart? Pourquoi son problème c'est que pourquoi Ismaël rit? Why is Ishmael laughing? On n'a pas sevré Ismaël en faisant la fête. On n'a pas sevré Ismaël en faisant la fête. Ishmael was up to stop blessing. Mais but quand on a sevré Isaac, when on a fait la fête. Feeding Isaac, non, Ismaël fêtait pour son frère. Ismaël was feasting for his brother. Ismaël était content pour son frère. He was happy for his brother. Et la mère de son frère est venue prendre l'oreille comme ça que tu ris quoi ici? And the stepmother was not. Tu ris quoi ici? She was not happy. C'est ton église ici. Hey. C'est ta maison ici. Hey. C'est ton pays ici. Hey! Ils ne veulent pas te voir rire. They don't want to see you laughing. Et Dieu aime les gens comme ça. And people like such persons. C'est-à-dire que il investit tout sur ses enfants. Invest everything on the children. C'est lui le jour du deuil de ton père ou de ta mère qui avait dit qu'il te récupérait. Tu l'as pas demandé. C'est lui qui a dit qu'il te prend dans sa maison. He said we take care of you in his house. Mais une fois dans sa maison. Once in his house. Discrimination. Discrimination. Il y a des gens ici qui ont ces blessures là, l'esprit de rejet. The spirit of reject. Tu es allé dans la maison de quelqu'un. You went to the house of somebody. Discrimination. You were discriminated on faisait there. La différence. They were making difference. Ton habit n'est pas le même habit. Different clothes. Qu'on achète aux autres. With others. Tu as un plat différent du plat des autres. Different dishes. Parfois quand la femme de la maison rentre. When the man, elle appelle ses vrais enfants dans la chambre pour donner le chocolat. The woman comes back and she brings the chocolate. Et quand ils sortent others. Comme c'est les trahisseurs. As the betrayers. C'était bon hein, c'était bon hein. Cette maman nous a donné le chocolat, c'était bon. Hein. They enjoy. Et tu es là tranquillement, tranquille. And you are there quiet. Et tu dis dans ton cœur, un jour, le jour là c'est aujourd'hui. Yes. Le jour là c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Quelles qu'en soient les discriminations hey. Que tu as subies, je prophétise, le Seigneur va te venger. Amen. Le Seigneur va te venger. Amen. Le Seigneur va te venger. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça veut dire qu'on dit que, hé, ne t'assois plus sur mes chaises. Assois-toi par terre. Peut-être c'est une histoire de masque que je raconte. Hein. Les enfants du monsieur s'assoient sur les chaises. Ils mettent les pieds. Mais toi, à terre. Mais pourquoi l'enfant, là, tu es obligé de le prendre dans ta maison? Pour le traumatiser comme ça. Et parfois, ils sont dans les églises, anciennes d'église. Pas ici, hein. Ça, c'est les vrais anciens.
Ici, là, ils ont le Saint-Esprit. Here, the elders have the Holy Spirit. Donc, le problème de Sarah, c'est que pourquoi le fils d'Agari? The problem of Sarah is that why elle ne connaissait même plus le nom. Elle ne connaissait pas qu'il s'appelait Ismaël. Elle appelle le fils d'Agar. He said the son of Agar. Elle disait encore le fils de l'Égyptienne. The son of the Egyptian. Pourquoi elle rit? Why is this laughing? Et quand il rit, why he's laughing? Elle dit à son mari, she told the husband, chasse-le. Chase him away. Mon ami, my friend. Il y a des enfants que Dieu te donne. Ils ne sont pas sortis de ton ventre. They didn't come from your belly. Ils vont te faire du bien dans 30 ans. They'll do you good in 30 years. Tu vois que tu es méchante. You think you are wicked? Tu vois que tu es méchante. You think that you are wicked? Il y a des enfants que Dieu te donne. Some children are given by God. Orphelin de père et de mère. Orphan, both parents. Mieux l'enfant se rebelle. Mieux l'enfant est ingrat. Mais toi, parent, ne fais pas le mal à l'enfant. You must not do harm to the child, even if he's rebellious or ungrateful. Tu ne sais pas. You don't know que c'est lui là qui sera le chef. He will be the boss tomorrow. Parce que because les hommes rejetés, the rejected men, les personnes rejetées par les hommes, rejected persons, sont projetées par le Seigneur. Are projected by the Lord. Le Seigneur aime les gens que le monde a rejetés. The Lord loves those that are rejected. Le Seigneur aime les gens que les hommes ont rejetés. The Lord loves those that are rejected. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Because he doesn't like to share his glory. Dieu aime quand tout le monde ne te gère pas. He loves when everybody rejects you. C'est là qu'il te gère. Yes. Then he welcomes you. Et Abraham, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. She told Abraham, chase this servant and the son. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Because her son is illegitimate. Le problème des frères de Jephthé, c'était l'héritage. The problem was the inheritance. Ah, vous aimez discuter les choses là. Les biens matériels, material, c'est l'argent goods de mon mari. C'est l'argent de ma femme. This, the money of c'est my l'argent wife de mon fils. The money of my son. C'est l'argent de mon frère. The money of c'est l'argent de ma soeur. The money of my c'est l'argent de mon père. The money of my father. Il y a des gens ici, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Some ils vivent comme them, ça. They are orphans. Toi, comme tu as le père. You, gloire à Dieu. You have parents, glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Mais on ne sait jamais. But one no no. Jephthé, vous venez de séparer Jephthé de son père. Separated from his father. Parce qu'il n'est pas l'enfant de la mère. Because he is not the child vous of the. Vous ne savez pas que Jephthé finira comme votre père. Vous avez enlevé le père à Jephthé. You remove the father to Japheth. Pour que Jephthé devienne un père. For him to become a father. Quel qu'en soit le temps que ça prendra. No matter the time we take. Toute personne que tu as rejetée. Any person you have rejected. Qui a l'onction de Dieu. That has God's anointing. Dieu remettra la personne là sur ton chemin. God will put back that person your way. Et cette personne sera ton chef. And that person will be your boss. Tu parles à l'église. I speak to the church. Tout enfant que tu as gardé dans ta maison. Any child you kept in your house. Et que tu as rejeté. And that you dismissed. Que tu as maltraité. You ill-treated. Le Seigneur finira. The Lord will end cette up affaire comme tu n'imagines pas. That story. Ancienne d'église avait le mauvais cœur comme tout là. Elder in the church. J'avais une camarade. I had a classmate. Sa mère, sa tante, la grande soeur de sa mère. Her auntie. Elle entend les églises des années 90. Entered in 90. Les premiers chrétiens de la ville. In the years 90s in the church. Et ses parents vivaient à Douala. In Douala they were. Et la sœur de sa mère vivait à Yaoundé. Her auntie was in Yaoundé. Elle est venue fréquenter à Yaoundé. She came for education. Ma camarade Yaoundé au lycée bilingue des Sources. Lycée bilingue des Sources. Et elle était dans la même classe she was the que same le class fils as the son de sa tante, that auntie, la grande sœur de sa mère. The senior sister of the mother. Interdiction de regarder le livre de mon fils. Prohibition to share the books. Même classe. Elle achète les livres à son fils, the, les cahiers. Book, elle achète juste les cahiers à sa nièce. The books to the niece. Mais pas de livres. But et elle interdit quand son fils apprend dans le livre. Prohibition. Comme elle est dans les églises. As he searches. Faut pas qu'elle vole ton intelligence, hein. Prohibition for her to cache, have cache your ton, book. Cache tes livres. Have your books. L'enfant de ta sœur. Your niece. Dieu est juste. God is righteous. Dieu est juste. God is righteous. On a eu le bac. We had baccalauréat. En 2003. In 2003. On a tous le bac en 2003. All of us we had it. Et cette fille. That girl. Elle allait en France. She went to France. Peut-être un ou deux ans après. One or two years parce qu'elle after a resté là à Douala pendant quelques années, pendant quelques temps. Et le fils de la dame. And the son of that a fait woman une demande pour l'Italie. Wrote an application for Italy. 2003. 2003. Jusqu'à présent. Till now. Il attend. He's waiting for it. Jusqu'à présent, il se pavane ici à Titi Garage. Currently, he's there in Titi Garage. Avec les babouches. Titi Garage. Et le short. Sandals. Il baisse. And the short. Ce qui vit là, c'est sa mère.
Because of the mother's suffering. Sa mère avait chassé Jephthé. His mother chose away Jephthé. Madame, je m'adresse aux femmes. I'm addressing the ladies. Le mauvais cœur ne paye pas. The bad heart doesn't pay. Mieux un enfant que tu élèves. Better a child you broke up. Tu rejettes. Reject you. Mais toi ne rejettes pas l'enfant. But you don't reject the child. Moi j'ai des gens, je m'occupe, on n'est pas parentés. Some people I take care of them. Ils payent l'école depuis moins de 10 ans. We are not of the same family. On n'est pas parentés. We are not of the same family. J'attends pas, j'attends rien de lui. I want nothing from them. J'attends rien d'elle. Nothing from him. Mais je le fais par amour. Oh, I do it by love. Pas parce que demain la personne va m'aider, j'attends pas quelque chose. I'm expecting nothing. Parce que je travaille suffisamment pour que demain j'ai quelque chose. Because I work enough to have something tomorrow. Tous ceux qui viennent à moi, je les rejette pas. I don't reject those who come from me. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Those who come to me, I don't reject them. La Bible dit que plusieurs ont repoussé les anges. The Bible says many rejected angels. Et plusieurs ont hébergé les anges sans le savoir. And they have hosted angels without knowing. Je suis pas en train de te dire de prendre tout le monde chez toi. I'm not saying to embrace everybody. Je suis en train de te dire. I say. Ne rejette pas les gens. Don't reject people. N'importe comment. At random. Et lorsque Abraham écoute sa femme. When Abraham listened to his wife, il fait partie sa Agar et son fils. He dismissed Agar and the son avec un peu de provision. With little provision. Mais but il y avait quelque chose pas sur Agar mais sur Ismaël. There was something not on Agar but on Ishmael. C'était l'onction de Dieu. It was the anointing of God. Ils sont partis dans le désert. They went in the wilderness. Le même désert. The same wilderness. Quand les enfants d'Israël devaient atteindre Canaan. The children of Israel should go to Canaan. Ils sont passés par le même désert. They passed through the same wilderness. Et les ressources étaient épuisées. The resources were pas de nourriture, pas d'eau. Exhausted. Mais l'onction. No yes. Food or drink. Quand tu chasses. When un Ismaël. You chase away an quand Ismaël. Tu chasses un Jephthé. When you chase the Jephthé il away, peut ne pas avoir l'argent. Perhaps cannot have money. Avec l'onction. With anointing. Il va s'en sortir. He will make it out. Yes. C'est pour ça que je vous ai dit. That's what I told you. Chassez-moi du Cameroun. Chase me away from Cameroun. Chassez-moi de votre église. Chase me away from the church. Partout où j'irai. Everywhere we go, je vais m'en sortir. I will make it out. On appelle ça avoir l'onction. That is having anointing. On appelle ça avoir l'onction. That is having anointing. Et c'est pour ça que tu as besoin de cette onction. That's why you need that anointing. Quand tu recevras cette onction ici, when you're gonna receive this anointing partout here, où tu iras, where you go, dans le désert, in the wilderness, les palmiers vont pousser. There will be trees. Dans le désert, in the wilderness, les arbres fruités vont pousser. Amen. Trees will dans grow. Le désert, in the wilderness, tu vas retrouver l'eau. Amen. Find water. La Bible dit que lorsque les ressources sont finies, the Bible said that when the resources are exhausted, Agar a commencé à pleurer. Agar started crying. Elle alla s'asseoir vis-à-vis quand l'eau de l'eau, verset 15. Verse 15. Quand l'eau de l'eau fut épuisée. Elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Mon ami. My friend. Un enfant qui a l'onction ne peut pas mourir. A child that has anointing cannot die. Même si tu le vois pleurer. If you see me cry. L'enfant est trop maladif. Une soeur m'a dit, une ancienne m'a dit, je ne comprends pas depuis que j'ai accouché l'enfant si elle est trop maladive. J'ai dit laisse-la comme ça. And then I told me my daughter is so sick every ouais, day. Laisse-la comme ça. Leave her like that. Ma mère nous raconte souvent que Papa Dubois là, Papa Dubois, quand il est né, when he came out, il était maladif. He was so sickful. C'était pas seulement moi, lui il était maladif. He too, not only I. Parfois, at times, on cherche la veine, on ne trouve pas. On met la perfusion sur la tête. Donc lui il a expérimenté les perfusions sur la tête. Moi c'était sur la main. Donc il était plus maladif que moi. He was more sick than me. Aujourd'hui il a l'onction. Today he has anointing. Donc si tu vois ton enfant maladif, if you see your child with on amène à l'hôpital maladif, on soigne maladif, il ne va pas mourir. He will not die. Il ne va pas mourir. He will not die. Il ne va pas mourir. He will not die. Donc pendant que Agar fuit, while Agar is running away, elle dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir devant mes yeux. So I don't want to see him die. Dieu n'a pas fui Ismaël. God didn't run away from Dieu Ismaël. Était avec Ismaël. Yes. Même si ta mère te fuit, pourquoi tu échoues, tu échoues, tu échoues. Hey. Rejet, rejet, rejet. Hey. Échec, échec, échec. Hey. Fiançailles brisées, fiançailles brisées. Hey. Même si ta famille te rejette, hey. Je te dis Église, yes. Dieu ne te rejette pas. Amen. L'onction est sur toi yes. Et l'onction demeurera sur toi. Amen. Laisse-moi te dire. Dans le désert, dans le désert, même si Agar part, même si Agar te quitte, Dieu est là. Yes. Il y a des mamans, quand sa fille conçoit, tu m'as déçu. You deceived me. Je te renie. You have disappointed me. Parce qu'il y a quelques années,
Il y a des mamans comme ça ici. Quand ta fille avait conçu, rappelle-toi des paroles méchantes que tu avais déclarées sur sa vie. Aujourd'hui, oh ma meilleure fille, tu t'es arrépentie. Tu t'es arrépenti des paroles que tu avais dites sur ton enfant qu'elle avait conçu. Tu m'as souillé. Tu vas dire quoi, mes soeurs? Donc tu préfères tes soeurs à ta fille. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi à ma famille? What shall I say? Je voulais des filles dignes. Je voulais des filles sérieuses. C'est quoi cette affaire d'enfant là? You dishonored me. Regardez-moi une traînée comme ça. Elle appelle sa fille traînée. Quand je pense à traîner, ça veut dire qu'on te traîne. Une traînée. Look at the harlot. Il y a des moments terribles. Elle déclare des paroles amères à sa fille. They declare bitter words to their daughter. Elle espère que demain, quand sa fille sera une princesse, and they hope that tomorrow oh, je suis ta mère. Hein. Princess. Je suis ta mère. Hein. Quand tu es sa mère là, quand elle était dans la galère, quand elle était dans les problèmes, tu oublies ce que tu as dit sur elle. You forgot your curses. Les enfants n'oublient pas. Ismaël n'oublie pas où. Ishmael doesn't forget. Ce que Sarah a dit what Sarah said à Ismaël, to Ismaël jusqu'à aujourd'hui, till now, les musulmans nous traquaient. Muslim combattants. Ouais, c'est Sarah qui avait créé les problèmes là. And Sarah created that. Ouais, les djihadistes là, c'est les descendants d'Ismaël. Those djihadists are descendants of Ishmael. Ouais, c'est une guerre qui a commencé avec Sarah. C'est Sarah qui a parlé mal à Agar. It's Sarah who started that. Ismaël a gardé. And Ishmael kept l'enfant that là que tu bottes. That child you beat. Quand tout le monde n'est pas là. When everybody's absent. Tu piétines. You beat. Quand tout le monde n'est pas là. When everybody's absent. Il garde. He keeps. Un jour. One day. Un jour. One day. Je suis ta mère. Quand ta mère n'était pas là, c'est moi qui te regardais. You'll be boastful. Il va te regarder dans les yeux. And we look at you. Il va te dire, tu es sérieuse? Are you serious? Tu es sérieuse? Are you serious? Elle s'est retirée de l'enfant, elle ne veut pas le voir mourir. Elle a commencé à crier. Started crying. C'est que là où Dieu m'a choqué. Where God shocked me. Agar crie. Agar cries et out. Dieu entend les cris d'Ismaël. And God listened to the cries parce of Ishmael. Parce qu'Agar n'avait pas l'onction. Because Agar didn't have anointing. C'est Ismaël qui avait l'onction. Ishmael had. Si tu cries sans onction, if you cry without ça anointing, ne traversera pas la toiture. You will not go. Mais quand tu vas parler avec onction, when we speak with anointing, le ciel va se mettre debout. Heaven yes will execute. Quand quelqu'un qui a l'onction parle, when somebody speaks with le anointing, ciel est toujours au garde de vous. Heaven execute. Quand une personne qui a l'onction parle, when somebody has même si elle est déjà à terre, le ciel va toujours la relever. Yes. Tu ne sais pas que tu as l'onction quand tu n'as pas encore les problèmes. C'est quand tu as les problèmes que tu sauras la valeur de l'onction. Yes. C'est quand tu as les difficultés que tu connais la valeur de l'onction. Yes. C'est quand tu as les difficultés que tu connais la puissance de l'onction. Yes. Pour le moment, je te dis qu'il te faut l'onction, tu te dis ah. Mm. Mais c'est demain que tu comprendras que quand tu as l'onction, à terre, Dieu te relève. Yes. Couché, Dieu te relève. Yes. En rampant, Dieu te relève. Yes. À genoux, Dieu te relève. Verset 16. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix. Qui pleure là? Agar. Qui pleure? Agar. Disons verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'enfant n'a pas pleuré. The child didn't cry. C'est Agar qui a pleuré. It's Agar who cried. Quand tu as l'onction, église, when you have anointing, church, même tes gémissements, Dieu entend. God, je vais dire à quelqu'un, église, say, à partir de maintenant, from now, si quelqu'un te touche par erreur, yes, je dis avec l'onction que tu vas recevoir ce soir, receive, mets ta main sur ta tête. Hey. Je parle sur ta vie. Yes. Même dans le désert, hey, si quelqu'un te touche, hey, même si tu n'as pas d'argent, hey, si quelqu'un te touche, touche, même si tu n'as pas de voiture, hey, si quelqu'un te touche, même si tu n'as pas de travail, hey, si quelqu'un te touche, je prophétise, yes, je déclare, yes, je déclare, yes, le Seigneur va répondre. Amen. Le Seigneur va répondre. Amen. Chapelle de la grâce, hey, si quelqu'un te touche, hey, le Seigneur va répondre. Amen. Révérend Posa, hey, révérend Guipatique, hey, pasteur, hey, ancien, hey, évangéliste, hey, diacre, hey, diaconesse, hey, femme, hey, homme, hey, si quelqu'un te touche, hey, le Seigneur va répondre. Il va répondre. Si quelqu'un te touche, hey, le Seigneur va répondre. Il va répondre. Au nom de Jésus. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons continuer dimanche. Je n'ai pas fini avec Jephthé. Continue ensemble. Je suis Ismaël. Amon Ishmael. Yes. Mon ami. My friend. Donc comme tu me vois comme ça, tu crois que tu peux me détruire. You can destroy me. Comme je n'ai pas d'argent, tu peux me détruire. As I don't have money. Comme je n'ai pas de travail, tu peux me détruire. I don't have job, you can destroy me. Comme je n'ai pas d'onction, tu peux me détruire. As I lack anointing, you can destroy me. Le conseil Ismaël, n'attaque pas les gens. Don't attack people.
Ne provoque pas les gens. Don't provoke them. Mais dans ton coin là, but your corner, personne ne va te détruire. Nobody will destroy you. Il y a une sœur ici, elle a fait des enfants avec un monsieur. There's a sister here, she had children with a man. Et le monsieur l'a traumatisé. That man traumatized her. Et elle aimait aller provoquer, bagarrer, revendiquer. Too much provocation. Et Dieu l'a séparée de ça. And the Lord disconnected her. Il y a quelques jours, elle réalise. And a few days ago, elle apprend que le grand boss, she learned that the great boss, on l'a chassé du travail. Was dismissed from the job. Il y a des combats que tu ne dois pas mener. There are combats you must not Quand take. Tu as l'onction, Dieu mènera les combats When pour you toi. Have anointed, the Lord will combat for Après you. La mort de ton père, After the death of your father, tout ce que les oncles ont fait là, yes. uncles à partir done, de maintenant, as from now, Dieu mènera les combats pour toi. The Lord will take the tout ce qui a été you. Fait dans ta vie, was done your avec l'onction, tu vas recevoir. Yes. Dieu mènera les combats pour toi. Dieu entendit la voix de l'enfant. The Lord listened to the voice of the child. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. And the yes. angel of the Lord called Agar from heaven. Et il lui dit, qu'as-tu Agar, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. And don't have fear not, I listen to the child where mais he is. Je crois que Agar a dû pleurer deux fois encore. I think Agar cried twice. Comment moi je pleure, mais c'est la voix de mon enfant qu'on écoute. How can I cry and my child is listening? Le ciel reconnaît ses gens. Heaven recognizes the people. Le Seigneur reconnaît ses personnes. The Lord recognizes his people. Dans tes problèmes là, je te parle l'église. In your yes. problem, I'm speaking to Rejeté you par tout le monde. Rejected by everybody. Abandonné par tout le monde. Abandoned by everybody. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. The Lord cannot abandon you. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Même si tu crois que tu es déjà à terre, épuisé, désemparé, vidé, aplati, le Seigneur va te toucher ce soir. Amen. Le Seigneur va te toucher ce soir. Amen. Lève-toi, prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car si Abraham ne l'a pas béni, moi Dieu je le bénis. Si Abraham ne l'a pas béni, moi Dieu je le bénis. Dieu est un Dieu de combine. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit à Isaac. Il s'est tourné vers Ismaël. Il a dit à Ismaël, je ferai aussi de toi une grande nation. Ce que Sarah a refusé à Ismaël, Dieu lui a donné ça. Ce que ton oncle te refuse, c'est Dieu qui va te donner. Ce que ta tante te refuse, c'est Dieu qui va te donner. Ce que ton ex t'a refusé, quelqu'un d'autre te donnera cela. Donne-moi un bon amen. Lis, parce qu'il croit que je suis en train d'inventer. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. La même prophétie sur Abraham. The same prophecy on Abraham. C'est la même prophétie sur le bâtard. The same prophecy on the bastard. Sur le vagabond. On the vagabond. Sur le vaurien. On the good sur one. Le rienneux. Je suis désolé, Église. Sorry, ma valeur ne dépend pas de ce que tu dis. Ce que je suis n'est pas fonction de ce qu'il pense. Ce que je suis est fonction de ce que Dieu a dit sur ma vie. Même si je n'étais pas là, Dieu a parlé sur ta vie. Ta vie n'est pas une vie inutile. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu n'es pas le produit du Big Bang. Non. Tu es le produit de la révélation. Yes. Tu es le produit du Saint-Esprit. Yes. Tu es le produit de l'onction. Yes. Dieu a parlé sur Ismaël. God spoke upon Ismaël. Si son père ne l'a pas béni, moi Dieu, je suis son vrai père. I got, I'm the genuine father. Tu sors d'une église come from a church, et ça ne t'est pas bien passé. And it didn't well tu sors d'une famille d'une relation, ça s'est pas bien passé. Family, Dieu lui-même prend ton histoire à main. God take the challenge for you. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Miracle, miracle waka. Miracle waka. You are the miracle waka. Come and do a miracle to
Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est en toi. Jésus, change mon histoire. Changez. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. C'est ta prière, c'est ta prière. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. J'entends pas ma quelqu'un chanter. Ça c'est ma Jésus, prière. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon ma histoire. Ma vie tout entière. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Viens me libérer, papa est mon roi. Viens me restaurer, papa est mon Dieu. Ma vie tout entière est en toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est en toi. Jésus, change mon histoire. Et viens changer. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Viens me libérer, papa est mon Dieu. Viens me fortifier, papa est mon roi. Ma vie tout entière est à toi. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Oh, viens changer. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie entière. Je la confie. Confie ta vie à Dieu. Ma vie entière. À Dieu je la confie. Je confie mes projets, ma famille, mes enfants, mes entrailles à papa Yahweh. Ma vie entière. À Dieu je la confie. Je confie ce ministère à Dieu. Je confie le référent, les prophètes à Dieu. Ma vie entière.
Je confie les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, les mamans à Dieu. Je confie ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants à Dieu et papa. Et je confie mon travail, mes affaires, mes projets, mes finances et à Dieu. Si je confie toute ma vie à Dieu, il ne me laissera jamais tomber. Si je la lui confie, il ne laissera jamais mes affaires, mes projets, ma famille. Il ne les laissera jamais tomber. Si je les lui confie, il ne laissera jamais mon ministère tomber. Il ne les laissera jamais tomber. Il ne laissera jamais ma santé tomber. Il ne la laissera jamais tomber. Si je la lui confie. Si je confie mon avenir à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Si je la lui confie. Il ne me laissera jamais. Oh, 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 oh. Il ne me laissera jamais tomber. Si je l'ai lui confié. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, 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 oh. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Seigneur, est tout ce que tu fais. Oh, oh. Tout ce que tu fais, Seigneur, est tout ce que tu fais, papa. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Jésus. Tout ce que tu fais, Seigneur, est tout ce que tu fais, Donaï. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Yeah. Amen. Yeah, yeah. Allez, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Jésus a quitté sa gloire, amen. Il est venu sur la terre, amen. Pour t'élever, te restaurer, amen, alléluia, amen. Jésus-Christ est l'alpha, amen. Jésus-Christ est l'oméga, amen. Allez, alléluia, amen, alléluia, amen. Jésus-Christ a restauré, amen. Jésus-Christ te protège, amen. Mon Dieu te connaît, amen, alléluia, amen. Mon frère n'est peur de rien, amen. Ma soeur n'est pas peur, amen. Le Seigneur est avec toi et on t'a
t'a maudit. Amen. Même si on t'a chassé. Amen. Tu seras le patron. Et... Amen. Alléluia. Amen. Même si on t'a piétiné. Amen. Même si on t'a rabaissé. Amen. Le Seigneur va t'élever. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, alléluia. Allez, 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 allez. Amen. Allez, 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 allez. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Allez, amen. Allez, 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 allez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu as l'onction de Jephthé. Amen. Tu as l'onction d'Ismaël. Oh. Amen. Tu as l'onction de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un vaillant héros. Amen. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Amen. Tu as la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allez, alléluia. Amen. Allez, allez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Oh. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez, alléluia. Amen. Pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen.